Coucou tout le monde. Alors ici nous sommes sur le pont canal de Briare. J'ai déjà traversé tout le pont là-bas, là où il y a les péniches, les souvenirs et tout. Et là je me vois arriver au bout où il y a Saint-Firmin là de l'autre côté là-bas. Mais ce n'est pas Saint-Firmin que je vais vous faire voir, c'est les alpagas de Madame Dupont qui a un autre bout par là. J'ai voulu filmer un petit peu là le début pour dire que c'est, pour ceux du moins qui ne connaissent pas, pardon si j'ai une voix, mais j'ai le masque quand même sur le visage, même si on est en plein air, mais bon. Bref, on est sur le pont canal de Briare, côté à l'autre bout, côté Saint-Firmin, et je vais vous emmener, en espérant qu'il soit dehors par contre, où il y a les alpagas de Madame Dupont. Donc, je vais pouvoir voir le, pour ceux qui ne connaissent pas le chemin qu'ils doivent emprunter. Là, il y a les statues du pont canal. Il est beau, ton canal de Briare. Donc c'est en bas. J'espère qu'ils sont là. Donc là, aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait froid. Et nous sommes le 30 novembre 2020. En bas de ce, il y a le pont canal, il y a un beau soleil, et c'est en bas de ce petit chemin. Après, bien évidemment, faut traverser la route là. Ah si, j'en vois dehors, ils sont là, les alpagas. Alors attention, je vais essayer de marcher doucement parce qu'à chaque fois, après, quand je regarde des vidéos, on entend le bruit de l'appareil photo. Donc là, en fait, les alpagas sont à Saint-Firmin. Ici, c'est Saint-Firmin. En bas du pont canal de Briare. Pour ceux, je dis bien pour ceux qui ne connaissent pas, je sais, je répète 3 fois ou 4 fois la même chose, mais bon, vaut mieux 3 ou 4 fois que pas assez. Traverse et les alpagas, c'est par là. Voyez, il y a même la pancarte, les alpagas de Madame Dupont.
Ils sont bons. Vous êtes beaux tous là. Hein? D'habitude, ils sont dans l'espèce de grange là-bas. Ben oui. Ben alors, t'es beau. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 si je compte bien. Ben alors. Vous êtes tous beaux. Ah, il y en a ça alors, il y en a un qui était caché par là. Bah alors, vous êtes bien là? D'habitude, ils sont là-bas, dans l'espèce de grange. On la voit mal à cause du soleil. Enfin, d'habitude, ils sont sur la gauche. Bah ben, ouais. Voilà, c'est ici les alpagas de Madame Dupont. Et normalement, vous pouvez les promener. J'avais déjà vu il y a quelques temps cela des prospectus. Bon, par contre, les prospectus, je sais plus, on les trouve dans les offices du tourisme ou dans les bateaux mouches ou autres, ou ailleurs même. Eh ben, et donc, toi, t'as plein de feuilles sur ton pelage. T'es beau. Voilà, si vous voulez savoir où c'est les Alpes, ceux qui ne connaissaient pas, qui viennent faire des tours à Briard, même pendant les vacances, les week-ends, ou ceux qui habitent pas loin de Briard, qui ne savaient pas qu'il y avait ça ici, et ben voilà, vous êtes au courant. T'es beau toi? Qu'est-ce que tu manges? Hein? Donc 4, 5, 6, 7, hein, ouais, 8. Ouais, 8, l'autre il est resté là-bas de l'autre côté. Voilà, c'est là les alpagas de Madame Dupont à Saint-Firmin, à l'autre bout du pont canal de Briard. Il y a juste à descendre, et après vous arrivez ici, comme le chemin que je vous ai indiqué là tout à l'heure. Je vais aller voir leur grange, j'allais finir en un coup vite fait pour vous faire voir où habituellement je les vois. D'habitude, quand je viens l'été par ici, ils sont toujours là sur le côté gauche avec la grange. Enfin, dans la grange. Dans la grange et puis là dans la montée. Ah, il y a marqué, il y a leur pancarte. On va aller voir ça. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue par ici. Alors, on va lire. Promenade et animation. Alors, les alpagas et l'amas de Madame Dupont. Alors,
activités avec des alpagas et lamas, promenades à la longue, parcours d'obstacles, quiz, remise de diplômes et médailles. Bon, ça, c'est tout ça, je pense que c'est pour les enfants. Animation, maquillage pour enfants, portrait, feutrage, avec de la laine feutrée. Alors, c'est marqué, nous nous déplaçons chez vous toute l'année. Anniversaire, mariage, garden party, fête de village, centre de loisirs, comité d'entreprise, crèche, école, maison de retraite, patati patata. Les alpagas et lamas de Madame Dupont. Alors, leur numéro de téléphone, c'est le 06 29 56 13 69. Et à leur adresse mail, d'ailleurs ils ont même leur page Facebook, Alpaga là. Et sinon leur adresse mail c'est www.madamedupont.fr. Voilà. Bah, habituellement c'est toujours ici que c'est toujours de ce côté-là qu'ils étaient. Quand c'est l'été en général c'est toujours par ici de ce côté-là. Voilà. Je voulais vous faire voir le petit coin où il y a les alpagas. Il y en a un qui est debout là-bas. Ah, je sais pas si qui est debout sur la petite maisonnette en ciment là, avec les briques. Il est en train de manger quelque chose sur le toit. Ah, avec le, je peux pas mettre le zoom en étant en mode lecture, enfin en étant enregistrement. Dommage. Peut-être qu'on le verra, je verrai bien. Si on le voit pas, c'est pas grave. Tiens, il se décache même de la maisonnette là. Là, celui qui est un peu gris marron avec la tête blanche. Allez, venez me voir là. Avant, il venait facilement devant les grilles. Il y a plusieurs années. Bon bah. Je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, vous savez où ça se trouve. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.